Aurélie et moi sommes enseignants de sciences de la vie et de la terre, Aurélie en lycée et moi en collège. Et nous remarquons que depuis quelques années maintenant, nos élèves sont abreuvés d'informations de tout type, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, ils ne savent plus les analyser. Ça vient de Facebook, ça vient des copains, des rumeurs, des familles, des journaux, des magazines. Et ils n'ont même plus le temps de les analyser, ces informations. Voilà, ils prennent tout au premier degré. En plus, notre cerveau fonctionne un petit peu différemment de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de biais cognitifs qui les empêchent de traiter correctement l'information, qui les influencent. Et on a voulu vraiment traiter ça, notamment en s'attachant à des articles chocs, avec des titres chocs, comme un qui nous avait fait beaucoup rire, qui était la corrélation entre le chocolat et puis l'intelligence. Et puis justement, voilà, le chocolat rendrait intelligent, le chocolat permettrait d'obtenir des prix Nobel. Alors deux choses, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette information finalement est faussée parce qu'il y a des biais cognitifs à creuser? Et puis pour élargir sur l'esprit critique, etc., nous avons donc constitué notre Dream Team, faite d'un chercheur, Christophe Hanneau, faite des collègues d'Aurélie que tu peux citer. Voilà, Aurélie Santec, Xavier Berton qui sont professeurs de SVT, et Xavier qui est particulièrement lui investi dans la zététique, dans l'esprit critique, dans les biais cognitifs, donc il a pu nous apporter son expertise. Et puis pour filmer l'ensemble, on a eu besoin de Centre Sciences avec Jamel Hellal. Alors dans un premier temps, il nous a fallu trouver un moyen pour les initier, pour les sensibiliser aux biais cognitifs. Et là, on a trouvé une solution extrêmement simple, celle qu'on trouve dans tous les magazines. Les tests de personnalité. Et on a réussi à les duper. Le biais d'autorité, c'est un biais cognitif qui fait qu'on a plus confiance quand il y a une expertise derrière, quand il y a quelqu'un qui va parler, qui a une autorité sur le sujet. Donc là, en y ajoutant le logo CNRS INRA, on a rajouté de l'expertise au texte et du coup, on a favorisé la confiance des élèves dans ce texte. Anthony. La question, elle est au tableau. Là. Pensez-vous que le profil établi par l'unité de recherche du CNRS vous correspond? Tout à fait, plutôt oui, plutôt non, pas du tout. C'est une seule question. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Après, on va échanger et puis on va les remélanger. S'il vous plaît. Et on va voir si vous vous retrouvez. Anonymé. Élise. Mathilde. Félicence. Adrien. Voilà le résultat. Alors, vous vous reconnaissez donc, vous êtes combien? 12. Donc, à plus de la moitié en plutôt oui. Et il y en a quand même 3 en tout à fait, ce qui nous fait donc dans une réponse positive, on est à 10 sur 12. Ce qui est plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez vous échanger vos profils avec vos voisins. Pour voir s'ils sont d'accord. Pour voir si que ça donne à vous. Et vous lisez le profil du voisin. Madame, il y a des trucs de plagiat. Il y a des trucs qui sont recopiés jusqu'à avantage la même chose qu'elle. Ben, lis bien. Exactement la même chose. C'est la même que... Exactement. Oui, c'est en fait tout le monde a une phrase. Mais ça veut dire quoi? C'est pareil. Ça veut dire que c'est comme les euros. C'est peut-être pour ça qu'on fait ça. C'est comme les euros. Avoir subi cette expérience, plus aucun élève, que ce soit les élèves de Basile en 3e ou nos élèves en 1er S, ne voulait nous croire. On avait réussi notre coup. Mais du coup, il fallait leur donner des clés pour pouvoir exercer un regard critique. Et puis, bien sûr, travailler sur notre article sur le chocolat. Alors, pour leur donner des règles pour exercer leur esprit critique et qu'ils aient un jugement le plus objectif possible, on s'est inspiré de différents ouvrages, de travaux d'experts, et notamment ceux du professeur Henri Broche, qui a fondé le laboratoire de zététique à l'Université de Nice. Pour faire très simple, la zététique, c'est une méthode qui permet d'expliquer les choses de la façon la plus objective possible,
en utilisant le doute comme un procédé et finalement un petit guide d'autodéfense intellectuelle pour expliquer le monde qui nous entoure. On leur a donné 3 règles. La première, suspendre leur jugement, c'est-à-dire laisser de côté tous leurs préjugés, leurs croyances, leurs convictions pour avoir un regard le plus neuf possible sur le phénomène et là ici sur l'article. La règle numéro 2, on va analyser l'information, on va analyser tous les faits, tout ce qui pourra s'y rapporter. C'est-à-dire qu'on part du principe que notre avis puisse changer à la fin de l'investigation. Et la règle numéro 3, on va utiliser des méthodes pour éviter ces biais. La première, la méthode scientifique, va nous permettre de tenter de réfuter l'hypothèse par des protocoles précis, encadrés, ici pour notre article par Christophe Hanneau. Et la première chose également à faire dans le cas de ces méthodes pour éviter ces biais, c'est de vérifier l'information, c'est-à-dire de remonter à la source pour voir d'où vient cette affirmation que le chocolat permettrait d'obtenir le prix Nobel. Donc après avoir remonté l'article à la source en cliquant sur les liens sur Internet, on est tombé facilement sur l'article scientifique. On a contacté Christophe avec lequel on a travaillé cet article, que ce soit avec les élèves de 3e ou du lycée Branly. Donc il a fallu résumer l'article, le travailler, car il était en anglais. Donc, si on regarde la figure principale sur l'article, on observe qu'il y a une corrélation forte entre le nombre de prix Nobel pour 10 millions d'habitants et la consommation de chocolat. Si on observe les chiffres mesurés, le coefficient de corrélation est très proche de 0,8, ce qui montre une corrélation forte. Et puis le paramètre en dessous de calcul est inférieur à 0,05, ce qui montre que ce n'est pas une corrélation due au hasard. Et puis on a très vite vu que cet article émettait bien l'idée d'une corrélation, mais en aucun cas il émettait l'idée d'une causalité, et qu'il fallait en plus vérifier si les molécules que contenait le chocolat avaient bien un effet positif sur le cerveau, en tout cas un effet bénéfique. Christophe s'est déplacé au collège de Buis, il a pu expliquer son parcours, expliquer son métier. C'était aussi une journée de rencontre avec un chercheur au sein d'un collège. Et avec les élèves de 3e, il a pu mettre en évidence, ou en tout cas il a établi un protocole pour déterminer si le thé avait des molécules intéressantes pour le cerveau. Le thé est un aliment intéressant parce qu'il contient des molécules similaires au chocolat, et on aura besoin de ces éléments pour pouvoir conclure sur la corrélation prix Nobel chocolat en faisant un comparatif avec les différentes molécules et différents aliments qui en contiennent à la fin du projet. Donc notre collège a une spécificité importante, c'est que c'est un collège rural. Collège rural de 450 élèves à peu près. Donc la grande majorité, c'est-à-dire 80% des élèves, sont transportés. Sont demi-pensionnaires, donc ils mangent à la cantine le midi, c'est-à-dire qu'ils passent la journée entière au collège, de 8h à 17h. Ce qui veut donc dire aussi que leurs parents sont très absents, pour des raisons professionnelles. On est juste derrière la Grande Couronne de Paris, donc ça veut dire que les parents partent à travailler de 7h du matin jusqu'à 20h, 21h. Donc on a bien qu'on ait des catégories donc socio-professionnelles, parce que ce sont beaucoup de cadres qui vont bosser à Paris, on a aussi des élèves de 3e, qui sont bien souvent livrés à eux-mêmes chez eux, de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Donc c'est à double tranchant, certains vont devenir très autonomes, vont devenir des collégiens très très scolaires dès la 6e, pour d'autres ça va être beaucoup plus compliqué. D'autres on va avoir des échecs scolaires parfois à partir de la fin du cycle 3, enfin dès la 6e quoi. Et pour cela, on a peu de choses, peu d'éléments pour les raccrocher. Et ce projet d'esprit critique, leur permet d'avoir une matinée un petit peu différente, une matinée un peu innovante. Et j'ai remarqué ce matin que certains élèves qui ont participé sont certains élèves qui finalement n'étaient pas très scolaires. Et la chance qu'on a avec ce projet-là, avec les moyens qu'on a pu y mettre, c'est que je peux aussi raccrocher l'ensemble de ma classe. Voilà. Je présente le protocole du TP. Après, vous le faites, d'accord ? Les résultats, on les analyse tous ensemble, ok ? Et après, on discute. Ça marche ? Okay. Je te laisse la parole. Qui va consister à mettre en évidence ce qu'on appelle des polyphénols qui sont présents dans le thé. Alors, la méthode d'extraction, vous allez le voir, en fait, vous l'avez déjà tous fait, sans vous en rendre compte, au moins une fois dans votre vie.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est des méthodes qui étaient utilisées par les tout premiers hommes. C'est-à-dire c'est l'extraction la plus simple qui existe. C'est une extraction simplement avec de l'eau chaude. Ce qui va être un peu plus intéressant, c'est que là, nous, aujourd'hui, on va essayer de les mettre en évidence, ces composés phénoliques. Alors, les composés phénoliques, je vous ai dessiné les composés phénoliques qui étaient présents dans le thé. Ces composés-là, on les retrouve également dans le chocolat. D'accord ? Donc, c'est pour ça que dans l'atelier Esprit Critique, vous allez travailler sur le thé. Et vos collègues du lycée Branly vont, eux, travailler sur le chocolat. Le thé et le chocolat sont les principales sources, qu'on appelle alimentaires, de ces composés-là. Alors, sachez que les flavonoïdes, il n'y a pas que ces deux-là, hein, sous ces quatre-là, vous avez entre 5000 et 7000 flavonoïdes connus à ce jour. D'accord ? Alors, ceux-là, je vous les mets ici en bleu, ils sont antioxydants. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont protéger contre le stress oxydatif. Alors, justement, aujourd'hui, dans ce TP sur l'esprit critique, l'objectif, ça va être de travailler sur un article qui a été volontairement provocateur, publié par un scientifique, dans un journal scientifique qui est très très connu, qui s'appelle le New England Journal of Medicine, qui est l'un des journaux scientifiques les plus renommés. Et il a publié un article dans lequel il se pose la question, et dans lequel il répond par l'affirmative, est-ce que le chocolat permet d'avoir le prix Nobel ? Donc tout ça, on vous présentera à la fin de ce TP, une fois qu'on aura mis en évidence la présence de ces composés, d'accord, de type flavonoïde, dans le thé. On vous présentera ce qu'a mis en évidence ce scientifique. On discutera par rapport à un autre article qui vient critiquer cet article. Donc là, on est en plein dans l'esprit scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye de démêler le vrai du faux, de critiquer un tout petit peu. Et puis je vous présenterai également, parce que nous on va faire une mise en évidence qualitative uniquement de ces flavonoïdes, je vous présenterai rapidement ce qu'on a eu comme résultat à l'antenne scientifique, parce que vos camarades de lycée sont venus à l'antenne, on a fait des expériences en laboratoire pour doser précisément dans le thé vert, dans le thé noir, dans le chocolat, donc directement dans la fève de cacao ou dans le chocolat que vous consommez tous les jours, ces molécules, pour essayer de voir lequel, du thé vert, du thé noir, de la fève de cacao ou du chocolat commercial, d'accord, lequel était le plus riche en catéchine, en épicatéchine, et donc lequel était le plus à même de protéger votre cerveau du stress oxydatif, et par abus de langage, peut-être de vous rendre encore plus intelligent et peut-être de vous permettre d'avoir le prix Nobel. Du coup, on continue sur ce point. Il faut que tu mettes de l'eau. Oui, bah j'en ai mis là. Pour que ça fasse ça jusqu'à 25. Bah tu me tiens ça là. Mais c'est celui-ci qui est infiltré. Ah bah c'est lui alors. Dans celui-ci, il faut mettre jusqu'à 25. D'accord. Parce que là, du coup, vous avez 25. Et sinon, c'est pas la même. Tiens. Et du coup, après, sinon, c'est pas possible. Allez, Manon. Vas-y. Attends, mais pas trop. Attends. Là, je suis en train de filtrer du thé noir à l'aide d'un entonnoir, d'un récipient et d'un filtre. Donc à l'intérieur de l'entonnoir et du filtre, il y a du thé noir avec des particules et de l'eau. Donc là, il y a le processus de filtration qui est en train de se faire. Il y a le résultat de la filtration qui s'obtient là. Ce que je ne vous ai pas dit au départ, en fait, c'est que ces molécules-là, si la plante fabrique ces molécules, c'est qu'elles lui servent à quelque chose. En fait, ces molécules-là jouent notamment le rôle de pigment dans la plante. Donc, si vous regardez maintenant vos extraits de thé noir et de thé vert, vous devez déjà vous rendre compte qu'ils n'ont pas la même couleur. En fait, ils ont des compositions en ces pigments qui sont différentes. Donc, vous voyez bien que normalement, il y en a un des deux qui est un peu plus foncé que l'autre. Oui. Lequel ? Vous voyez ? Le thé noir, effectivement, le thé noir est bien plus foncé, le thé noir est beaucoup plus riche, d'accord, dans ces composés qui sont des pigments.
Alors ces composés, ils sont intéressants parce que vous voyez là sur la structure ici, là vous avez ce qu'on appelle un noyau aromatique. Le noyau aromatique, c'est ça. C'est l'hexagone que vous avez ici. Et quand l'hexagone, vous avez une fonction alcool, la fonction alcool, c'est ce que je vous entoure en jaune ici, c'est le OH. C'est-à-dire que là, le OH qui est là, il peut être soit sous forme OH, comme je vous l'ai dessiné, soit sous forme O tout seul, et dans ce cas-là, on met une charge négative sur l'oxygène, il est O-. Et en fait, ce passage de OH à O- provoque un changement de coloration. Ça mettra en évidence la présence de ce type de composé. C'est-à-dire que là, on fait ce qu'on appelle une mise en évidence qualitative, d'accord, de nos composés. En fait, on met du vinaigre ou du carbonate de sodium dans le thé. Ouais, dans le thé. Thé vert et thé noir. Et après, on remarque s'il y a un changement de couleur ou pas. Alors, à Abu, l'expérience est voulue uniquement qualitative. Le réactif acide et le réactif basique ont coloré la substance, ce qui voulait dire que nos élèves avaient dans le thé toutes les substances antioxydantes. Ils sont allés plus loin au lycée. Alors nous, au lycée, avec les élèves de la section substances, on a pu avoir accès au laboratoire de Christophe. Et comme ça, on a pu extraire, identifier et mesurer quantitativement les différentes molécules présentes dans le chocolat et puis dans le thé. On a la chance, au lycée Branly, d'avoir des sections d'excellence. En fait, c'est un choix d'établissement de mettre l'accent sur l'innovation, la transdisciplinarité, le travail au sein des équipes pour donner du sens aux élèves. Et on a monté dans la filière scientifique, notamment avec les SVT et la chimie, la section subsciences qui concerne les élèves de première S, terminale S. Et on va travailler en partenariat avec le monde de la recherche, le CNRS, le Muséum d'histoire naturelle, l'INRA. C'est comme ça qu'on a pu travailler avec Christophe et profiter de son laboratoire. Alors notre lycée avait besoin de ce genre de projet, de défi, parce que c'est un lycée qui est situé depuis toujours, enfin depuis très longtemps notamment, en zone de sécurité prioritaire. Il accueille un public avec des catégories socio-professionnelles plutôt défavorisées, en tout cas supérieures à la moyenne académique. Et pourtant, son attractivité, le développement de ses sections a fait que finalement, on ne perdait aucun élève de secteur, tous venaient et on avait plutôt une hétérogénéité qui fonctionnait. C'est un lycée qui plaît et où les élèves se sentent bien, je crois, et les professeurs aussi. Alors, nous allons procéder à une extraction des molécules de la fève de cacao. Alors pour ça, nous avons des fèves de cacao fèves de cacao bio. Alors nous devons les broyer et en fait on obtient ça quand on les broie déjà un peu. Voilà. On va les broyer à l'aide d'un broyeur à couteau. Et donc il y en a déjà dedans et il suffit juste d'appuyer. 5 secondes. On retire. Voilà. Et donc, on enlève le couvercle. On enlève le couvercle. Et on a notre cacao broyé juste ici. Falcon. Alors nous le posons dans notre balance à précision. On n'oublie pas de tarer pour que ça ne donne pas de fausse valeur. Ah, ça m'a fait off. Oula. Voilà, c'est bon. Et on pèse environ, enfin, on introduit environ 1 g de cacao. Alors, voilà. Encore un peu. Nous prélevons de l'éthanol grâce à une pipette qui ressemble à ça. Et donc, hop.
Une fois l'éthanol introduit dans notre tube à centrifuger, nous le fermons et nous agitons comme cela. Hop, voilà, afin que ça devienne un peu mélangé. Et on va au bain aux ultrasons. Alors nous sommes devant le bain à ultrasons et nous avons mis notre tube à centrifuger sur un support en polystyrène. Alors, il faut savoir que le bain à ultrasons, en fait, il génère des bulles qui vont imploser auprès des cellules contenues dans le flacon. Et lorsque ces cellules vont se casser, on va pouvoir justement récupérer les molécules qui nous intéressent, qui sont la catéchine, l'épicatéchine et l'épigallocatéchine galate. Voilà. Donc, on va mettre notre Falcon dans notre bain à centrifuge. Voilà, ultrason. Et pour le... Alors, on enlève notre tube à centrifuger du bain à ultrason. On fait attention. Hop. Et on va procéder à la filtration. Voilà. On ouvre notre Falcon. Alors, dans un premier temps, on va prélever en surface le contenu du Falcon grâce à une micropipette. Ensuite, nous allons filtrer une seconde fois le contenu afin d'être sûr qu'il ne reste pas de dépôt. Donc, on le verse ici et ensuite on appuie pour le faire entrer dans le vial. Voilà. Et voilà, notre vial est prêt pour l'HPLC. Alors, une fois que l'on a récupéré l'échantillon d'extraction des élèves, on va solliciter Christophe qui au sein du laboratoire a accès à l'HPLC. C'est des outils qu'on n'a pas au sein des lycées. On va pouvoir ainsi caractériser les molécules qui nous intéressent et vérifier que le chocolat en contient bien pour pouvoir ensuite tester leur activité si elles sont présentes. Merci. Alors effectivement, l'HPLC qui est présente ici est un appareil qui va nous permettre de caractériser les différentes molécules présentes dans un échantillon complexe. Alors l'HPLC, c'est cet ensemble que vous avez ici, où une phase mobile va pouvoir séparer les différents constituants d'un échantillon après que cet échantillon eût été prélevé ici même. Donc les échantillons seront séparés grâce à cette colonne. Donc la colonne possède des greffons et les différentes molécules constituantes de notre extrait vont interagir avec plus ou moins d'affinité sur ces greffons, nous permettant ainsi de les séparer pour obtenir ce type de chromatogramme que vous avez ici à l'écran, où chacun des pics individuels représente une molécule différente de notre extrait, ce qui va nous permettre en fait non seulement de caractériser cet extrait, mais également de quantifier les différents constituants, pour par la suite caractériser leur activité biologique en mesurant différentes activités, et ça, c'est ce que Moncef va faire avec vous dans un instant. Merci beaucoup. Donc nous allons réaliser le test de cuprac grâce à ce réactif-ci, le Cu2+. Si notre extrait de cacao est un antioxydant, lorsqu'on le mettra au contact du réactif, ce dernier deviendra jaune et sa formule changera, ça deviendra du Cu+. Donc ici, ma collègue est en train de mettre du réactif. Elle va maintenant prélever l'extrait de cacao et en mettre. Nous pouvons voir que la couleur vire d'ores et déjà au jaune. Notre extrait est donc un antioxydant. Donc pour les deux tests, on va se rendre au lecteur de plaques afin de quantifier l'activité antioxydante. Donc la machine est déjà toute prête. Nous n'avons plus qu'à l'utiliser. Donc Adrien. Donc on va insérer les échantillons dans la machine pour tester l'absorbance. Avec l'extrait que l'on vient de faire, on va également faire un deuxième test. On va tester l'activité anti-acétylcholinestérase. Donc pour cela, on fait un mélange d'enzymes, d'extraits et de substrats.
la couleur va changer et on va pouvoir mesurer la capacité des molécules qui sont dans notre extrait à inhiber cette enzyme. On a mis nos résultats dans une étuve pendant 15 minutes à 37 degrés. On remarque que le jaune n'est pas très fort, du coup ça a inhibé. Donc les résultats nous ont montré que pour le test de Cuprac, donc l'activité antioxydante, le chocolat était bien plus oxydant que le thé, même si tous les deux ont des propriétés antioxydantes. Quant au test de Follin, il nous a montré que le thé, cette fois-ci, contenait beaucoup plus de composés phénoliques que le chocolat, même si tous les deux en contiennent. Et pour l'activité enzymatique, les deux, le chocolat et le thé, sont à peu près dans des proportions équivalentes. Donc on peut conclure qu'il y a bien trois molécules intéressantes identifiées dans le thé et le cacao, et que le thé et le chocolat ont les mêmes propriétés à quelques différences près qui peuvent être expliquées par la différence de proportion entre chacune de ces molécules. Donc nous avons pu identifier dans le thé et dans le chocolat des molécules d'intérêt, des molécules avec un effet bénéfique sur le cerveau. Et pour pouvoir ensuite continuer notre étude et puis exercer notre esprit critique, nous nous sommes aidés de travaux faits par d'autres chercheurs justement à la suite du premier article sur cette corrélation entre la consommation de chocolat et la possibilité d'avoir le prix Nobel. Donc pour conclure, on peut voir que le thé et le chocolat contiennent bien les molécules compatibles avec un renforcement des capacités cognitives ou en tout cas avec une action positive et bénéfique sur le cerveau. Par contre, si on obtient bien ces molécules dans le thé et dans le chocolat, on n'observe aucune corrélation entre la consommation de thé et la possibilité pour une population d'avoir le prix Nobel. Alors on peut se poser la question d'où vient cette corrélation. On peut imaginer que la causalité est plutôt due au PIB ou en tout cas à la richesse d'un pays parce que plus un pays est riche, plus il va pouvoir investir dans des produits de luxe. Et plus il va également pouvoir investir dans l'éducation et donc favoriser le fait d'avoir des chercheurs qui obtiennent le prix Nobel. Donc on est aujourd'hui à la fin du projet, on est d'accord. On rencontre des jeunes chercheurs à Chartres. Et puis c'est l'occasion de nous rencontrer, de raconter nos ressentis. On va pouvoir vous laisser la parole. On peut peut-être commencer par... allez, je donne la parole au grand. Est-ce qu'on peut, au début du projet, il y avait le test de personnalité. Comment ça s'est passé, vos réactions, et puis après vous donnerez les vôtres aussi, par exemple. Ben, on pensait vraiment avoir quelque chose basé sur nous, genre vraiment en fonction de ce qu'on avait rempli, on pensait qu'ils avaient vraiment établi un profil psychologique de notre personne, et en fait, pas du tout. Non. Et qu'est-ce qui vous avait persuadé que c'était des vrais profils? En fait, les phrases, elles étaient creuses, elles disaient tout et rien, elles disaient quelque chose, et juste après, elles disaient leur contraire. Du coup, on se basait sur ce qui était positif et pas le négatif. Et à quel moment vous en êtes rendu compte? Et vous, à quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez dupé? Quand après on a tous mis en commun, en fait, on a dit nos phrases, en fait, on s'est tous rendu compte que en fait on avait les mêmes. Et la réaction, ça a été... On était plutôt surpris, ouais. En fait, parce qu'on s'attendait pas à voir les mêmes, donc, du coup voilà. Et à quoi ça vous, si on élargit un peu plus, à quoi ça vous fait penser dans la vie de tous les jours, dans des magazines, des choses comme ça? Les horoscopes. C'est le mot qui a été crié, ah, c'est comme les horoscopes. C'est le même principe. Si vous regardez juste la corrélation, vous n'en observez aucune. Ouais. Donc il y a une corrélation entre le chocolat et les prix Nobel. Il n'y a pas de corrélation entre le thé et les prix Nobel. Mais pourtant, dans les deux, il y a les molécules qui rendent intelligent. Et les mêmes. Puisque nous, du coup, comme on a travaillé avec Christophe, il avait anticipé le travail qu'il allait faire à Bu en nous soufflant qu'il y avait sûrement plein d'autres molécules dans plein d'autres produits de consommation, notamment le thé. Sans nous dire ce qu'il y avait derrière et ce sur quoi il travaillait. Du coup, on a déduit qu'en fait, il y avait un facteur extérieur à cette corrélation, mm-hmm. et c'est la richesse d'un pays. Donc, plus un pays est riche, par exemple, en France, on peut manufacturer du chocolat, c'est ici qu'il est manufacturé. Du coup, la France est riche et elle peut investir dans les recherches et donc avoir plus de chances de remporter un prix Nobel. Et pour le thé, alors, pourquoi ça ne marchait pas? Le thé, ça ne coûte pas grand-chose à produire. Et du coup, les pays pauvres peuvent produire beaucoup de thé et en consommer beaucoup, et ils ne vont pas forcément pouvoir investir dans les recherches et du coup, ne pas remporter le prix Nobel. Donc c'était une fausse publication, presque. Non, elle émettait juste une corrélation, pas de causalité. Voilà. C'est les journaux qui ont repris qui ont confondu corrélation et causalité. Exactement. En fait. Du coup, ceux qui ont repris, ils se sont dit directement que le chocolat rendait intelligent sans prendre en compte le facteur de l'argent. Comment savoir qu'on n'est pas berné, en fait, quand on voit un article? Si c'est un article qui se base sur quelque chose de scientifique, on essaye de vérifier cette base scientifique, si elle nous paraît cohérente ou non. Qu'est-ce qui est le plus important aussi dans la première étape qu'on a vue quand on veut exercer un esprit critique? Vérifier plusieurs sources, non?
jeter un œil sur plusieurs sources sur le même sujet. Croiser les informations. Oui. On a des croyances et des a priori au début, et du coup ça peut nous empêcher de voir la vérité en fait. Il faut mettre de côté nos convictions pour essayer d'être le plus objectif possible vis-à-vis de quelque chose qu'on lira. Même si ça nous plaît de croire ce qui est écrit. Forcément. Et c'est finalement presque le plus dur, vérifier la source, ça va, mais ensuite, en retirer nos a priori, c'est plus dur. Juste les faits, rien que les faits, et ensuite... Ouvrez vos yeux, restez sur vos gardes, corrélation n'est pas causalité. Quoi ?